Rebonjour les CE2. Allez, regardez, j'ai ressorti la table du Pythagore que nous avons déjà complétée avec nos carrés. Hein, vous vous en rappelez les carrés? Quand on multiplie un nombre par lui-même, 3 x 3, 6 x 6, 8 x 8. Donc je vous rappelle que certains résultats, vous les connaissiez déjà. Et puis certains, vous ne les connaissiez pas. Il y en avait 5 à apprendre par cœur. J'espère que vous les connaissez. 3 x 3, 9. 6 x 6, 36. 7 x 7, 49. 8 x 8, 64, et 9 x 9, 81. Donc, on va compléter notre table du Pythagore. Et regardez, nous avons presque fini. Il nous reste à apprendre cette case, cette case, cette case, cette case, celle-là, 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 et celle-là. Puisque je vous rappelle qu'ici, on va avoir les mêmes résultats. Donc nous avons encore à apprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10 résultats à connaître et nous aurons terminé. Alors je vous propose aujourd'hui d'apprendre la table du 3. Et regardez, vous connaissez déjà 3 x 1, 3 x 2 de la table du 2, 3 x 3 le carré de 3, 3 x 4 dans la table du 4, 3 x 5 on l'a dans la table du 5 et 3 x 10 dans la table du 10. Donc, vous la connaissez déjà presque entièrement, cette table du 3. Regardez, nous n'avons que 4 produits à apprendre. Allons-y. 3 x 6. Alors, 3 x 6, ça fait 18. Voilà. 18. C'est bon? Ensuite, 3 x 7. Eh bien, 3 x 7, ça fait 21. Voilà. 21. 3 x 8, ça fait 24. 3 x 8, ça fait 24. 24 que l'on avait déjà dans la table de Pythagore avec 4 x 6. Eh bien, 3 x 8, ça fait aussi 24. Et enfin, le dernier à apprendre, 3 x 9, 27. 3 x 9, 27. Voilà. Donc, pas très difficile. Hein, je pense que tout le monde va pouvoir apprendre la fin de sa table du 3 sans problème. Donc, 3 x 6, 18. 3 x 7, 21. Et 3 x 8, 24. 3 x 9, regardez la table du 9 comme elle est facile. Je vous rappelle que dans la table du 9, si on additionne les deux nombres, ça fait toujours 9. Regardez. 9, que je pourrais écrire comme ça. Donc, dans la table du 9, 0 plus 9, 9. 1 plus 8, 9, 2 plus 7, 9, 3 plus 6, 9, 4 plus 5, 9. Donc ça, c'est un bon moyen de vérifier qu'on a le bon résultat. Et regardez, en plus, si je regarde le premier chiffre, 0, 1, 2, 3, 4. Et le deuxième, c'est l'inverse, 9, 8, 7, 6, 5. D'accord? Donc si vous savez par cœur que 2 fois 9, c'est 18, eh bien pour la case d'en dessous 3 x 9, il suffit d'ajouter 1 aux dizaines, ça fait 2, et d'enlever 1 aux unités, ça fait 7. Voilà, on retrouve ce résultat très facilement. Donc voilà pour la table du 3. Je vous demande donc d'apprendre cette table du 3 par cœur pour demain. Elle doit être apprise par cœur pour demain. Allez, regardez, je vais aussi finir de la compléter ici. Donc 3 x 6, 18, 3 x 7, 21, 3 x 8, 24 et 3 x 9, 27. Regardez notre table du Pythagore, elle est presque terminée. Nous n'avons plus qu'à apprendre ces cases-là et nous aurons terminé notre apprentissage. Courage les CE2, je compte sur vous. À bientôt.